Dans le sous-sol de cette maison qui donne sur le jardin, les résidents trient, découpent, collent. C'est qu'ils y tiennent à leur caisse à savon, dont la fière proue pointe déjà. C'est aussi, et peut-être surtout, que c'est le fruit d'un travail commun à toutes les phases de la fabrication. On a mis en concertation pour la création de la caisse, pour avoir le modèle, ce qu'on voulait exactement. Donc on a fait des croquis. Et selon les croquis, bon, on a ressorti tous ensemble ce qu'ils voulaient exactement, ce qu'ils ont vu, dans tout ce qui a été fait. Donc c'est un véritable travail collectif depuis le début. Oui, de 3 ateliers. Nous avons l'atelier carton, meubles et créatifs qui se mettent ensemble pour créer la caisse à savon. Mais si tout le monde a mis la main à la pâte, cela ne veut pas dire que la réalisation a été un long fleuve tranquille. On a eu quelques petits soucis pour la direction de la machine, la caisse à savon, mais on l'a résolu. Donc ça... Une fois que ça a été résolu, tout est démarré. Avec un budget de 200 euros maximum, il a fallu travailler à la débrouille et à la récup. On a bien travaillé, on a bien calculé. Donc on a récupéré une place, à une autre. Donc on a tout rassemblé, on est arrivé à récupérer au moins un bon 150, plus de 150 euros de création pour la création de la caisse à savon. Mais en marchandise, hein, d'utilisation. Comme quoi, avec un peu d'imagination,